Nous sommes de retour en direct sur vos antennes. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur CML 13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. C'est parti pour cette émission à débat, vous le savez. Nous parlons aujourd'hui de 63 ans. C'est vrai, nous sommes le 29 juin. Demain, c'est le 30, mais nous voulons, dans le cadre du biscuit de l'émission, anticiper, savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché pendant 63 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir encore une fois parce que ça fait débat jusqu'à ce jour, le bras de fer entre le pouvoir et l'Église catholique. Alors, quel rôle doit jouer l'Église catholique face à un régime? Est-ce que la place de l'église est au milieu du village, comme on l'a dit, ou la place de l'église, c'est du côté de faibles, du côté de l'opposition ou du côté du peuple? On va réfléchir avec nos invités également sur le dépôt de candidature sans les FCC qui a boycotté l'enrôlement des électeurs, ni la Mouka, du côté Fayoulou qui refuse de déposer les différentes candidatures, justement. Quelle crédibilité pouvons-nous donner à ces élections? On en parle avec nos invités, ils sont avec moi. Nathanaël Onokomba, de Piste pour l'émergence, et puis Bruno Mimenga, il est cadre du parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito. Je commence à ma gauche, monsieur Bruno. Bonjour et bienvenue à vous sur CML 13 Télévision. Bonjour cher Nathan, merci pour l'invitation, ça fait bail. Et puis je suis très heureux de reprendre encore CML 13. Très bien. Et puis je salue tous les Congolais éparpillés dans le monde. Mais vous devez savoir, le lundi, le mercredi hier, nous étions au niveau du parquet général pour accompagner Monsieur Alain Bolodjoa, qui est le président du parti politique, Libat, si je ne me trompe pas. Oui, Libat. Il a été invité suite à une manipulation au niveau de la présidence. Mais c'est que suite à une manipulation. Oui, c'est une manipulation parce que Monsieur Félix nous a promis les arrestations. Alors, je tiens ici à rappeler aux Congolais de se mettre debout parce que la lutte sur la résistance sera illimitée jusqu'à ce que nous allons gagner ce combat. Parce que nous devons savoir que depuis l'arrivée de M. Félix Tshisekedi, les choses n'évoluent pas. Alors, Mme Akazi Abadoubola est utilisée comme, je peux dire quoi, les termes m'échappent. Donc, c'est elle qui est utilisée pour cette fameuse situation dont elle a gâché toute la journée de lundi et puis le mercredi. C'est que je tiens ici à rappeler aux Congolais d'être debout et de ne pas céder aux intimidations de M. Félix Tshisekedi. Très bien, merci beaucoup d'entrée. Je vous donne 2 minutes simplement pour réfléchir sur cette question. C'est vrai, on va revenir sur ça demain. 63 ans de l'indépendance de la RDC. Qu'est-ce qui a évolué? Quel secteur de la vie de Congolais aujourd'hui en République démocratique du Congo qui a marché 63 ans après? C'est vrai, on va revenir demain pour en débattre avec nos invités, mais aujourd'hui quand même, je vous donne 2 minutes pour réfléchir dessus. Oui, Ndegonatan, Oyebi, 63 ans après l'indépendance, ce qui tout allie par rapport au Yambo Ganabiso, moi je peux dire que rien n'a marché. Rien n'a marché. Oui, sur le plan économie, sur le plan, il y a des fois, c'est Yambo Ganabiso, vous allez comprendre que tout ça, ça la recule par rapport à Yambo Ganabiso, qui a l'indépendance après Biso. Le qui a changé peut-être, c'est dans la carte, il y a vie à Bandekwa, il dépèse. Oh. Et puis, vie à Bandekwa. Non, mais il y a quand même une peste, pouvoir et c'est succéder Bélé. Pourquoi faire moi l'UDPS? Mais pour le moment, c'est l'UDPS. Moi, je ne peux pas dire que non, mon bout. Aujourd'hui, nous voyons l'UDPS. Au moment où il était, le qui a changé. Dans le régime, où il y a matriculation, il y a niveau à présidence. Les bosses qui ont la couleur bleue, les locaux qui ont la couleur rouge. Salutation spéciale à Joël Boutan. Donc, les locaux qui ont changé la vie à Congoman et Yangwana. Oh. Donc, ceux qui tout le monde. Non, on est dans la plaque du matriculation, ça n'a rien à voir. Mais les locaux Félix a changé après 63 ans d'indépendance, il a mis sur immatriculation. Donc, les locaux qui ont blé hier ramené en commun la rouge. Donc, les locaux qui ont blé, ceux qui ont blé, ils ont blé au Congo. Ils ont blé au Kende. Ils ont blé au Zongi sur le plan même de la démocratie. Sur le plan, il y a droit de l'homme. Sur le plan, il y a éducation à Mbokanamiso. Vous allez constater que non, le pays n'a pas pu former des cadres. Le Oyoboué, au lieu de 63 ans d'indépendance, te former bah, médecin, te former bah, professeur de qualité, te former bah, élite, bah, toi, Michel Amaboko. Mais le Oyoboué, on appelle le roi d'un pays de 1000 collines. Mais le Oyoboué, Félix, n'a pas été le cas, il a un pays de 1000 partis politiques. 1000 partis politiques. Mais ça a plutôt un pays. Donc, au lieu de créer, de créer un emploi, de former un avocat, un médecin,
ma professeur d'université à qualité. Oh que non, professeur hasard uniquement na pona ko tangisa. Mais le lo oye boy, ozo mona que non éducation. Na ma professeur fait ma côté la politique. Mais ma professeur ba ben pesante parce que non, na lobby boy. Ma professeur ba bungisi musala na bango parce que bazo se retrouver te na domaine na bango ya enseignement. Il y a la qui ceux qui sont en politique, ils sont en train de se faire. Ba militaire à IDPS, ba Auguste Kabouya, ba Komi Matama Ngebungebu. Ils sont en train de se faire. Donc, il y a un pacte de pauvreté. Donc, surtout, tu as 63 ans après l'indépendance. Alors, quand même, secrétaire général, le parti politique, il y a OEV en pouvoir, c'est normal. Ah, quand même, moi. Mais, pour la retourner. Tant que Bango Balobi va signer pacte de pauvreté, alors, Banan, il va signer pacte de pauvreté. Et ça, Bissot va comme mal. Moi, j'ai dit non. Donc, le vrai problème, Awaboui, Bissot, tu as dit que, en 2023, le 20 décembre, tu as dit que tu as dit que parce que tu as quelques mois, 4 mois, pour que M. Félix ait déjà préparé. Bisakanaï a kene kovanda. Yamozo mona lelo oyobu lobi kout. Nayoki, moukwa tombolo ono, tozo kene na marti ko sambela. Oh. Lobi le 30 juin, journée indépendance. Il faut ko bonza mboka na mboka. Mais non, monsieur Félix a bonzaka déjà. Mboka eza attaqué. Ndeko natan, monsieur Félix a bonzaka déjà mboka na mboka nzambe ta mwa salaka mertura, mertira, mertira, migira. Oh. Oui, bah, ce jour wana. Oh. Après pouvoir naï. Et comme je suis parti, je suis allé à la Mukuna, à la Kizamina, à la Mukuna, à la Mukuna, à la partie où il y a Pichu Mabilu. De l'Okamba. Aux hommes, je suis allé à la Mukuna, à la Mukuna, à la parce que la présence de la Rwanda est un martyr. Donc, je suis allé à la Mukuna, c'est le Congolais, lobby. Le Congolais est un martyr. Il va faire un mandat pour la Bango. Prier sans cesse. Non, on ne peut pas construire le Congo par des prières. Vous allez me citer. Un pays au monde, oh bah tout le monde a prié. Même en Israël, quand tu bisques les gens au Tama, bah tu vas quand tu rembourses la banque, c'est le travail. Donc, bah Amérique, bah le Binini, nous allons construire les États-Unis d'Amérique sur les rocs. Donc même les colons, ils bangent. Tu retournes. Bah on transforme, on va retourner. Mais chez nous, quand vous invitez les gens, tout est ressemblé là. Or les 30 jeunes de Konata, ils ont un jour au Yomoye pour rappeler la banque au bah Tama en 2008. Que journée les 30 juin au Yoboué, et Zali Moukolo, autres ont été pendant la bisou. Et puis, je vois les Zalaka, que non, Mokili Mobimba Batuna Batubumou, la Kababimisi Bachar de Koumana. Babimisi Bachar, comme on a mon époque, il y a Kabila. Non, Kabila, ça, on se dit 4 fois. Mais l'époque à Kabila, au moins, tout le monde a quand même un jour indépendance, on va défiler Salama. Mais tu sais qu'il dit, Banda commis président de la République, non, Sali moi défiler, on a été en OP. Tous s'inquiéter. Il y a moi ce qu'on a l'ingat qui pendant que négocier. Aux hommes on a que journée les 30 juin normalement. Et ça journée au bout il faut talisa même à niveau africain, même à niveau régional. Talisa combien d'armées haute dini combien d'armes haute tous en amour. Talisa au cas si vos piquili qui avait bien la biso. Mais le au bout ce qui tu mais c'est tissé dans tout ça la montée. Parce qu'il y a des gens qui ont gagné une élection en 2018. Ça n'a rien à voir. Aza même, non, Azan a confiance. Merci. Azan même a confiance, même pas militaire. Il y a des gens qui ont trouvé la revue. Il y a des gens qui ont trouvé la revue. Il y a des gens qui ont trouvé la revue. Il y a des gens qui ont confiance. Il y a des gens qui ont trouvé la revue. Il y a des gens qui ont trouvé la revue. Est-ce que le Sambo est un peu pour rappeler l'histoire et l'indépendance en Abisso? Merci. Donc la grande question, le grand problème ici, lobby. Les Congolais doivent rester dans la bande qu'on a bango. Ceux qui ils allient aux années occupation ou aux samoussans parce que biso tout l'embi ban na biso ba koya na marti wana dibo munzala. Est-ce que ils ont bien abattu na marti la bosse ma camaram? Ma cambo oh mais c'est tiré d'ego finga ba chrétien nani na bujimai à peine. Mbisi ya nini ya Namibi? Ma cambo a rétro commission oh Félix c'est tiré dit à quoi reconnaître amour. Tous ces hommes babilo ils ont pensé ba Congolais kanda ba embouteillage paye. Donc il y a un moment à Bengisi ba Congolais lobby ils ont les 30 juin bien que bat au bah que ma journée on a mais biso d'ici là tant aux pouvoir aux zongisa date à les 30 juin selon esprit il y a Lumumba parce que biso tous en aligné à l'école à Lumumba. Merci lobby 63 ans après l'indépendance et là où il y a Malonga vraiment échangé à part immatriculation et un niveau à présidence. Très bien, merci. Il s'appelle Bruno Mimena, il est cadre du parti politique Nouvel élan d'Adolfo Muzito. Mais il faut rappeler ici que j'aimerais faire cette mise au point que ma militaire, ma policier, ma dans la Kayambo, ma dans la présidenté. Non, c'est très bien. Merci. Mais il faut rebattre aujourd'hui. Même la Kayambo, l'armée est commis politisée. Non, non, t'as l'ingé le quoi, Anate. Ma militaire, ma militaire, Yamboka.
Ce qui président Longwe, Moussou soit remplacé, Bango Baza Yamboko Baza au service de la nation, raison pour laquelle bah, vous t'accatez. Très bien. Mais merci cette fois-ci, les policiers ont des cartes. Non, non. Ils ont des cartes. S'il vous plaît, Milo a vous avez la preuve Nangote. En tout cas, Nangote est en plateau. Alors, Nathanaël, vous avez la parole. En 5 minutes, enfin, en 2 minutes, votre avis sur le 63 ans de l'indépendance de la RDC. Merci beaucoup, monsieur Nathan, de nous avoir accordé la parole, de nous avoir invités. Mais ça faisait très longtemps que nous sommes passés sur votre plateau, alors que vous étiez injustement sanctionné. On faisait que crier, parler, parce que la justice ne doit pas être au service des autres personnes. On sanctionne sur base de règles. Heureusement, vous avez endossé cette sanction qui a été mal à votre égard. Merci pour votre élan de cœur d'avoir accepté l'injustice, parce que si c'était d'autres personnes, pas accepté. Et puis on met en garde toutes ces pratiques qui peuvent se répéter. Si ça se répète, on ne vous laissera pas seul. La rue ne sera pas seulement pour réclamer les élections, mais aussi pour réclamer le droit et liberté, oui. comme on vous l'a privé. Allez au sujet. Alors, avant tout, je commencerai par remercier le président de mon parti politique, celui que nous avons aussi choisi lors de notre congrès comme candidat président de la République, M. Seth Kikuni. Je profiterai de cette occasion pour parler à l'opinion publique. Nous étions en Bandaka lors de nos déplacements. Nous étions en Bandaka, vous allez voir les images. Nous étions en Bandaka. C'est la salle Plein, papa. Les images parlent à ma place. Très bien. Nous étions en Bandaka, on a attiré. C'était quoi le message effectué? Le message, c'était clair. C'était juste s'adresser à la population de Bandaka. Dire que Bandaka nous a beaucoup donné. Bandaka nous a donné la langue lingala que nous parlions. Bandaka nous a donné des potentiels, mais Bandaka est abandonné. Beaucoup de leaders ici nous disent qu'ils sont des Bandaka, mais vous voyez le peuple de Bandaka. On réagit, ils ont dit à Seth Kikuni, on n'a pas d'électricité, on n'a rien. Alors nous, le message, c'était juste, Mbandaka ne sera plus sans piste. On va travailler le piste au niveau de Mbandaka pour aider. Merci. C'est cette ville, je vous dis, il n'y a même pas de macadam en Mbandaka. Très bien. Revenez au sujet. Alors, voilà un peu. En tout cas, je vais pas aller tout droit au but sans toutefois saluer l'un de... communicateur que je respecte beaucoup, monsieur Joël Boutandou, qui a dit lors de ses propos que vous allez comprendre qu'en République démocratique du Congo, il n'y a rien à changer à part les plaques d'immatriculation de la présidence. C'est-à-dire, seule la plaque de l'immatriculation de la présidence qui a subi un changement depuis 1963. Et non, depuis 1960. Non, il ne faut pas te moquer de Congolais. Il y a eu beaucoup de changements depuis l'indépendance. Oui, les changements, mais dans le mal. Premier changement, c'est-à-dire que lorsque nous avons accédé à l'indépendance, Lumumba, avec le MNC, avait l'idéologie. L'idéologie, c'était l'amour de la patrie, l'unité nationale et le fait de refuser l'ingérence étrangère. C'était ça le combat de mon grand-père Lumumba. Mais après l'avènement de M. Étienne Tshisekedi, comme l'incarnation de l'opposition, au lieu de transmettre ses valeurs, il a détruit cette génération à inculquant des pensées dictatoriales, des pensées barbares. Et aujourd'hui, nous voyons l'héritage. Après 63 ans d'indépendance, les jeunes sont habitués aujourd'hui de lancer des pierres, de brûler le transco, parce qu'ils ont cru à une personne que je doute d'ailleurs, qui ne sera jamais héros national dans ces pays, je cite. Très bien, personne n'a évoqué d'ailleurs cette question. Merci beaucoup. Non, c'était juste en train de parler de 63 ans. Merci beaucoup, Nathanaël Onokumba. En tout cas, vous allez constater l'absence de ceux de l'Union Sacrée pour vous dire que nous leur avions invité, mais ils ne sont pas venus jusque-là. Alors, la chaîne a beaucoup de programmes. Nous n'allons pas les attendre. Nous avons débuté avec nos invités. C'est vrai, ils sont de l'opposition. Souffrez parce que ceux de l'Union Sacrée n'ont pas voulu répondre à cette invitation. Monsieur Bruno Mingemenga, tout côté malamon, on a bras de fer. Si j'ai la mission à Maka, c'est bras de fer, les lots entre église catholique, na. Pouvoir automoni récemment au Tiko Lobelango d'ailleurs d'entre deux jeux que Félix Tshisekedi Atena qui m'a proposé comme moro il y a moi ma casse envers église. Pourquoi? Parce qu'a constaté que ba misusu pe na kati église, c'est vrai tanga ba kombota loba qui certains na kati église bazo se comporter mabe bazo s'attaquer na pouvoir en place, raison pour laquelle loba qui en tout cas pona makambetali en tout cas insécurité à mon cannabis à côté kata moto mon côté azala de mèche naba bangouna na biso pour basa la République démocratique du Congo mabé. Est-ce que les lots position y église et il faut ils à la 4
kati, n'est-ce pas le baka, l'église doit être au milieu du village, ou alors, position église, il faut à la côté, à ma faible, donc le baka côté, à ma faible, mais à côté, à ma ton position. Merci, Ndeko Nathan. Église, c'est à côté, à ma tu opposition, t'es. Église catholique, c'est à la côté, à peuple congolais. Oui, bien, je suis venu à M. Félix Tshisekedi. Il a présenté ma excuse naïe et pas à ma pasteur dans son ensemble. Parce que son alobi ba sango ba ko ba on pas Benoît Sambe la kana la catholique azali moi na Saint Barthélemy et on a ko défendre ba sango. Non, moi je demanderai à monsieur Félix Tshisekedi d'organiser un point de presse même d'ici dimanche de présenter ses excuses par rapport organiser un point de presse oui par rapport à ses propos méchants qu'il a tenu à l'égard des pasteurs, parce que vous devez savoir, l'église catholique a joué un grand rôle dans notre pays. Si nous autres, les Bruno Mimbenga, la famille Mimbenga, mes amis avec qui nous avions étudié au collège Mama Waboto, à l'université Saint-Augustin de Kinshasa, alors c'est grâce à l'église catholique. Tout le monde a été fait union sur Oyoboué. L'église catholique est jouée dans Mboka Oyoboué depuis un bon moment, même à l'époque coloniale, après tout le monde a été fait, surtout sur le plan éducation. Au monde a que l'église catholique est investie. Et belé, même les locaux basés dans le gouvernement, basés à fruit à l'église catholique. Il semblerait aussi que M. Félix Tshisekedi est attendu au collège Boboto. À l'oba, c'est audio morona outi kolanda récemment, et bimi à l'obi que Azala baptisé l'église catholique à l'âge de 2 ans. Ah oui, oui, Azala baptisé l'église catholique après avoir dit à l'oba rapide à top Congo que Bissou n'a monde, Bissou y a. Il y a Mertura, Mertira, Ikoso, il y a un moment peut-être échanger chez Bangoua Kambo. Alors, par rapport à Koulobakye, l'église catholique, ils ont à côté l'opposition, non. L'église catholique, ils ont à défendre la faible. Ce qui est total, l'histoire de l'église catholique, vous allez comprendre que depuis un bon moment en Amérique latine, surtout par rapport à Makamba, l'injustice sociale, l'église catholique, ils ont toujours à défendre intérêt à peuple con et bon intérêt à peuple, sur le plan mondial parce que Batouana Bazala qui est pris d'injustice n'importe le haut bon à Congo tout le monde en haut justice Yamalonga isalité mais Yamalonga eau potable pour tous les athées transport isalité alors tant dans le monde Monsieur Félix Tshisekedi Kobima mais puis Bolanda mot par mot na makamba le baki na Mbujimayi un chef aza mutu obo asangisaka. Un chef a dit que non, ma province à moi. Parce que tant que je suis en hôtel. Oui, attendez, monsieur Nathan. Tout ça, il y a une classe. Il y a une classe. Accueil dans Mbujimayi. Monsieur Félix Tshisekedi qui se comporte comme un militant, il y a eu de PES. On a casquette, il y a une 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 dit, ma chère province à moi. Azoebisa nani monseigneur nani Kassenda si je me trompe pas. Parce que fait qu'il y a anniversaire na il y avait c'est qu'il y a sacerdoce sacerdoce na il y a nini na Mbujimayi. Et parmi bino na yebi monseigneur Filias nani Muteba. To yebani mais kati na bino ba misusu baza animé l'esprit moko ya mabe. Donc, mais est-ce qu'alobi vérité? Non, alobi vérité. Il y a la qualité dans le coup là, chef de l'État. A quoi que tu as dit, c'est-à-dire que nos provinces n'ont pas ma chère province. Non, mais donc la province est mesure. Attends, il y a soit qui n'a pas origine. Mais il y a soit qui n'a pas origine, mais il y a soit qui n'a pas brebis égaré. Mais il y a qui n'a pas brebis égaré. Jamais on va dire que non, il y a pas de moutoua bengamine de Konanga. Ou elles ont respecté, Mibeko. Et tata. Maman écoute, mais c'est non. Maman a zali libanda. Yezo lobinini. Abinge femme. Abi moi si. Likamboni ni nangai. Tika ngai kimia. Mais le loko yo boko mona, monsieur Tshisekedi. Koloba makambo lobi ke non la kati na bino ba monsieur bazali. Animé. Donc cardinal Ambongo na monseigneur Chole, le loba komi animé l'esprit à Belzeboul. Je ne crois pas. Donc église catholique, depuis très longtemps. Même fait papa Etienne Tshisekedi. Tant que zala ki awa. Église catholique, combien de fois Basango Oyo Félix a commis au finga bango lelo. Na Auguste Kabuya a fingité. Mais on Kabuya Kabuya fingi ba Kabuya fingi ba Basango. Monsieur, nous devons faire très attention pour la recom Basango ngana bandaka na zoka aspiration ana okota na couvent. Onyokwama. Onyokwama et puis na série. Okima. Pour la recom Basango, ce n'est pas facile.
Pendant ils ont eu le temps, il y a formation. Autant dans nos classes, et puis aussi dans nos 11 ans de formation. Et ça, tout le monde a arabe, donc, même la Bible, tout le monde a dit non. Azaka nani prophète ou bien nani? Roi David, nan Nathan. Chaque fois, ba pasteur, nan ba prophète, ba zara ki nan mission, y'a ko kene ko rappele ba konzi, selon même biblique. Kena mo konzi, bisi vos otan boule, ah, isa ma be, zonga ta la peuple boy. Même David, nan de kwa ra, le roi sal, nani, roi pharaon, na Egypte, avait une mission. Le roi obo, peuple a zo souffri. Tout le monde a un anniversaire à M. Félix Tshisekedi de 60 ans. Bazo bo kambongo ne to mona ka na Hollywood. Bande journée là certifié. Non, bande qu'on a biso. Est-ce que là certifié parce que là dans la certification. Oui, bande qu'on a biso la profi na Djougou. 48 personnes. Bakundi ba mona ba sachet. Ba sango ba lo ba lo baté. Milice a eu deux pèses du progrès BCU. Tout le monde a ba image ah na bandalungo ah non. Ndé bazo ke no kataka batu. Tout le monde a imaginé M. Sou Abo récemment. Bah, il y a eu maman, il y a eu maman, il y a eu 4h du matin, il y a eu un ma papa a été là, allez sa famille, na mais bah, du progrès, il y a eu 4 maman, il y a eu un peu. Quel est la 8e mérite, on a eu la 10e mérite, on a eu un média sport. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Bah, du progrès, il y a eu un taxe. Ils ont un rapport, oh, bah, ça, on va t'aller ici. Balobino, pour voir les autres en bon amabé, il faut bon loukwa bobongi sa vie à Bakoumani, bobongi sa sécurité. T'as le système commun à qui ça? Enlèvement. Donc le loboué, et ça pour ça la passe. Et que M. Tshisekedi, à ce se comportait comme unificateur, mais il se comporte comme un président d'une tribu. Merci beaucoup. Il y a encore Tshisekedi. Félix, avant terminé la famille, oh le beau, nani, monseigneur, nani, chef de la maison civile. Voilà. Il doit beaucoup de respect à l'église catholique. Donc, le roi, pour manquer l'église catholique de respect, je ne crois pas que non, mais c'est Félix Tshisekedi, n'a bras de fer pour arranger l'église catholique à Robina vivant. Très bien. Sans qui, Bilokoana, même mes pasteurs, n'a pas pasteur, il n'est pas content de ça. Il y a des chrétiens, il y a Philadelphie, mais tant l'église catholique est autant pour la Kabila. Pourquoi l'église n'a pas de misa qui va habiter? Bisous, on a pas de l'église catholique. Donc aujourd'hui, c'est que moi je peux dire 2023, ma chrétien, ma Christ au bas soit mon mobimba. Ma moline, monsieur Tshisekedi. Na, Augustin Kabou Yalobi, ma sango, ma kena kosen, ma bango. Augustin Kabou Yalobi, ma bango. Moi je vais ma somme, ma bango. Non, bon, ma somme, ma bango. Mais il faut savoir, ma église catholique investit dans la médecine. Na école ba tonga do ba s'organiser ba sans pas dans la maïté ba sans ba dire qu'à 3 fois déjeuner na 12h mais oui j'ai été là-bas j'ai mes amis ba sans na couvent au ba sans à l'université Saint Auguste tout en bango tout en donc le logo ba ceux qui ba sans matériel qui a été rien à bango de konata ba pour qu'on défendre même makambo zo les gana ote parce que ba dire qu'à 3 fois ba tambola qu'à 3 fois ba bina bien ba lobi katumbi a sombi bango non katumbi très bien merci katumbi azali asombi ba sangote merci katumbi ezana mbongo moko ta osomba kanina ambongo donc katumbi est victime ya tombe oni ya race naye osomba na kono ce régime c'est un régime tribal et kabuya kabuya pa lobi aza modi ti na 3e génération kabuya ne mo merci beaucoup kabuya modi merci ti na génération très bien merci beaucoup naye parce que azo participer merci na gestion moko mabe donc ba kabuya ba saki na role ya ko conseiller Félix merci beaucoup ke bisika o boto o kana ka beauté ya mo moni le o bo muto tomba victime ma kamona c'est Jamal Kabound pas dans la prison merci beaucoup le o bo parti naye na rozongi là ba aligné en beauté na rozongi donc biso to za na respect Basango, yamozo mon à chaque fois Adolphe Mozito, s'il a des problèmes, consultera même Basango là pour la cause appeler. Avina Bango. Merci. Mais comment la Messe Félix Tshisekedi être entouré par les gens comme les Denis Lessi, les Mukuna et le Koni Yamano et Kobi. Merci. Madame la pasteur, il faut du respect. Mais oui, merci. S'il vous plaît, mais il faut pas consulter la cause Yambo Kabalamu pour que non, Mboke Tambo. Là, ils sont dans la parole. Vous avez sous la main. C'est important. Ouais, ils sont dans la parole. Merci beaucoup. Nathanaël Onokumba. Place y a église. Normalement, il faut être là au milieu du village ou il faut être là côté opposition, toi il faut être là côté il y a peuple, c'est-à-dire démuni. Place église, il faut être là.
Je commence d'abord par présenter mes excuses au nom du chef de l'État à la population congolaise pour des propos. Au commis communicateur à chef de l'État. Non, c'est pour ses paroles. C'est un président de la République et étant que citoyen du pays où il est en train de diriger, je présente mes excuses à la population congolaise à son égard parce que le président a tenu des propos sous l'effet de l'émotion et nous comprenons quand même c'est un homme, c'est un humain. Parfois ils sont frappés par des émotions comme ça. Mais je demanderai au conseiller spécial du président de la République chargé de questions juridiques que de pareils propos doivent être d'abord encadrés avant qu'une institution comme le président de la République puisse tenir ses propos. Quels sont ces propos qui vous a choqué, vous, Nathanaël Nolokou? Je vais arrêter sans répit toute personne qui va déranger ou qui menacerait la sûreté de l'État, peu importe les violations de droits de l'homme ou des libertés. En tout cas, il a de l'espoir à recevoir de personnes. Bon, en tout cas, d'abord, permettez-moi de me comporter comme un citoyen. Je suis ici en train de rappeler au pouvoir en place que l'état de droit n'est pas une éducation apprise à la maison où ton père te dit des choses, où tu vas venir nous dire que personne ne va m'apprendre. Non, non. L'état de droit est un esprit des institutions établies au sein d'un État. C'est-à-dire l'autorisation, la subordination hiérarchique du pouvoir politique à l'ordre juridique établi. L'exercice de tout pouvoir doit émaner de la Constitution. Ici, je me mets à rappeler au président de la République que l'article 149 dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. C'est-à-dire, ce n'est pas le président qui arrête au nom de séparation du pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire qui doit faire ce travail. D'ailleurs, ces pareils propos devaient être tenus par le procureur général et non le président de la République. Il est le garant du bon fonctionnement, mais il n'interfère pas dans le fonctionnement de ces institutions. Entre autres, lorsqu'on parle du régime politique, on ne parle pas du pouvoir judiciaire, on parle que du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Parce que le pouvoir judiciaire est indépendant. Ça, je dois rappeler au président de la République. Je dois aussi rappeler au président de la République qu'il n'est pas super puissant. Il n'est pas au-delà de la Constitution. Il n'est pas un dieu dans notre État. Alors si le président de la République parle de ceux-là qui vont menacer la sûreté de l'État, est-ce que vraiment, Nathanaël Okané, si que... parce que le président ne peut pas arrêter. Écoutez, je vais finir. Vous savez, lorsqu'on parle de violation de droits de l'homme et de la liberté, nous sommes en droit constitutionnel. Et le droit constitutionnel a consacré toute son énergie pour veiller en sorte que les droits et libertés fondamentaux soient garantis. La constitution de notre pays, la constitution garantit des libertés fondamentales que l'on ne peut pas y déroger au nom du principe de la légalité des délits et de peines ainsi que de poursuites dont la disposition 17 de la Constitution dispose. Même lorsque vous avez de fait, il y a une procédure qu'il faudrait suivre. Nul ne peut être poursuivi sans le modèle prescrit par la loi. Nul ne peut être arrêté sans le modèle prescrit par la loi. C'est-à-dire ce n'est pas parce que vous imaginez que c'est la sûreté de l'État que vous êtes à mesure de prendre quelqu'un sans respecter la procédure. C'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est la conformité des actions publiques politiques à l'ordre juridique établi, c'est-à-dire la Constitution. Même si vous avez devant vous un criminel avéré, respectez la Constitution, respectez la procédure. Et je me mets à rappeler à tous ceux qui ne conseillent pas le chef de l'État qu'ils doivent savoir que la Constitution de notre pays, c'est la norme sacrée. Nous n'allons autoriser aucune dérive. C'est-à-dire tout le monde doit respecter la constitution de notre pays. Alors je pense que les Congolais ont compris. Très bien. Merci pour cette mise au point. Allez, allons maintenant dans le vif du sujet. J'étais en train de parler de la place de l'Église catholique dans un État. Est-ce que l'Église héroïque aux Allah, du côté il y a pouvoir, il y a opposition, tôt il y a peuple. Dans la place, il y a pas démunis. Église est cause à la WAPI, honnêtement, ou au milieu du village. Bon, je vais rappeler ici, monsieur Nathan, mon co-débatteur l'a évoqué. Vous savez, je suis dans la Bible, les chrétiens, je suis dans la Bible. Il y a une époque, excusez-moi, où il y avait la famine en Israël. Hein? Nous allons aller à Israël, ma casse. Tant nous allons aller à Israël, il y a pendant 3 ans. Mais tout ça, la Nénine, roi David, David à l'Élie pour nous aller côté Makassi à qui qu'on interroge l'église
qui ont interrogé le prophète, a interrogé Nzambi. Nzambi s'est habité. Alliance. Alliance, Saoul a été bébé Sayango. Tant que bébé Sayango, ne salie pas Nzale Kota. C'est-à-dire, l'église, elle a toujours le droit à l'imia. Il faut au changer. David a dit que moi, c'est Abatou. Abomi si Sodawana. Nani yango ya kwe sa David ke osali mabe. Le prophète Nathan. Le prophète Nathan, image ya église. Aya ebi se te utamboli mabe. Ndima. David sage azala ki alobini. Abi ah. Na yoki. Nzambe azwa ninyon so. Me alimbi sangai. Webi ke David a perda bana na ye. Donc église a rappelé ko tamboli mabe. Donc église aza wana po a rappelé à tout moment. Bato bazo kamamboka bozo kamama beto malam bozo kamama beto malam David po na ezagi malam osagi ni azongi na nzela za la roi mais Saul tong ba ebisie église Samuel a ebisie te ndeza bonza babwagi sio aponi o lisute po yo otamboli mabe ba esaki yo biloko kozwa ngote yo zui alela ki a pati pati a pati pati parce que église za musala yo ozongi sei na nzela Saul za la roi mais toti kalaka la bible te bible yango na tolobi mais aujourd'hui l'église, quand on dit l'église est humiliée réellement. Mais l'église reçoit des personnes de plaintes chaque jour. Les gens qui viennent pleurer, les gens qui gênent aujourd'hui. Mais c'est Tshisekedi est entouré de pasteurs, plusieurs pasteurs. Il y a même Mbosso qui a fait appel à 300 pasteurs d'adhérer à l'Union Sacrée. Heureusement qu'un l'un de pasteurs que j'aime beaucoup, et je cite son nom, Max Kabbala, n'a pas adhéré. Mais les autres ont adhéré. Adhérer dans la prière également, apparemment, c'est demain. Et puis, quand on organise la prière, est-ce que c'est pour la nation ou c'est pour l'Union Sacrée? Parce que on dit l'Union Sacrée organise une prière pour la nation, mais c'est l'Union Sacrée qui organise la prière. L'Union Sacrée est un camp politique. Il y a toujours un organisateur dans toute activité, mais oui, mais l'Union Sacrée est un camp politique. Et si aujourd'hui on disait que Piste pour l'émergence avec cette Kikuni organise une prière pour la nation et on appelle Ambongo, c'est-à-dire, on va dire qu'Ambongo a pris le camp de l'opposition. Non. Mais si certainement il est invité, il pourrait être là. Vous voyez, aujourd'hui, ceux qui nous dirigent doivent savoir que les pouvoirs politiques est un pouvoir sacré, comme je l'ai dit. L'église doit être au milieu du village. On a dit ce qu'on ne vient pas. Mais l'église... Mais on accuse également l'église de ne pas reconnaître l'action à Malamo, Félix. J'ai reconnu une action, c'est-à-dire le changement de plaque d'immatriculation de la présidence. C'est une action. J'ai reconnu aussi que... Merci. Non, laissez-moi finir. J'ai reconnu aussi ici qu'il y a eu un taxe irrégulier. Une taxe irrégulière où on appelle RAM. C'est une innovation. J'ai reconnu aujourd'hui aussi que l'effet de détourner les deniers publics est une qualité pour mettre dans ton CV. Ce sont les avancées de ce régime. On a reconnu aussi qu'on a aujourd'hui, excusez-moi, j'allais oublier. Aujourd'hui, la RDC occupe la coordination des opérations de l'EAC. Et c'est quoi la nature de cette opération? C'est l'observation. Donc la RDC va empêcher les FRDC d'attaquer pour observer. C'est une avancée. Merci. Donc, très bien. Nathanaël Olokomba, Piste pour l'émergence. 7 Kikuni. Alors nous passons dans notre deuxième thématique justement, parce que les élections s'approchent. Les portes de la CENI sont ouvertes, cette fois-ci pour recevoir le candidat. Comme je l'avais dit récemment, vous tous qui étiez candidat lors de l'enrôlement, on a besoin de vous. Vous devez aller vous présenter devant la CENI pour déposer votre candidature. Il ne faut pas, en tout cas, nous embrouiller que voilà, nous les jeunes, nous voulons cette fois-ci les changements au niveau du Parlement. Nous voulons rajeunir l'Assemblée nationale. Mais lorsqu'il faut déposer la candidature, vous êtes absent. Je me demande, est-ce que Denis Kanima a reçu combien de candidatures déjà? Alors, à l'absence de la Mouka du côté Martin Fayoulou, à l'absence du FCC, quelle crédibilité pourrons-nous donner cette fois-ci à ces élections? Neko Bruno Mbenga, Ozana Maloba. En 5 minutes, votre analyse, le Lona Maïmateli élection, porte et Fumami, au Loba qui vous a la candidat, est-ce que ok déjà pour déposer candidature? Oui, cher Nathan, oui, bisous, tout ça va jeune, tout ça a besoin, il faut. Parce que ce que nous avons dit par rapport à Makambo Yabasango, vous allez voir que récemment, ici, en Côte d'Ivoire, le cardinal, le nom échappe encore, le cardinal de la Côte d'Ivoire, il a tapé là-dessus, a critiqué le régime à place, le régime de M. Ouattara. À l'époque, nous avons vu le pasteur et Kofo tacler directement le régime
de Monsieur Kabila. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est vraiment regrettable. Parce qu'aujourd'hui, quand Monsieur Félix promet les arrestations des Congolais, des pasteurs, je parle des pasteurs des églises, les églises dans l'ensemble, mais il veut se comporter comme Louis XIV. En France, il était roi. Donc, voilà un peu, il veut nous donner l'image d'un dictateur. Or, bah, dictateur Nyonso, pour vous remarquer, Bango, au moins, il va baser dans trois concepts. Pas toucher, sûreté de l'État, insécurité, la stabilité. Mais moi, je voudrais aussi voir M. Félix Tshisekedi tenir avec vivacité les propos qu'il a tenus en Mbujimayi. Au Rwanda, parce qu'ils sont maintenant à Rwanda. Mm. Deva Paul Kagame, s'il tenait de tels propos comme ça, là, on dira, oh là, aujourd'hui, Félix est revenu dans les bons chemins. Mm. Mais le haut est boyé, tant que vous Nakokanga, comme si M. Félix se considère comme si les combos, c'est un bien familial, c'est comme si c'est lui de pèse. Vous voyez, de son passé. Mais le long on le boye, à Bosané qui est constitution, ça allait clair. Séparation du pouvoir, les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Mais les autres conseillers Félix et Osababilo. Moi j'ai beaucoup de respect à l'église de Philadelphie, à Pasteur Mbouma, Pasteur Rolada Lona, ma chrétienne sur l'église, ou à Pasteur Nani, Ken Piana, si je ne me trompe pas. Ce sont déjà un télo. Regardez, je peux dire quoi? Monsieur Félix et Tshisekedi, après avoir effectué 400 séances de voyage, la montre. Il est fatigué, hein, en Mbujimayi, à la coquette à Koloukaka popularité, Kolobao non, Monseigneur Fulgence. Et puis si vous regardez même la tonalité, M. Félix était vraiment trop fatigué. Okay. Et on dit, Bible écoute Robini, vous qui êtes fatigué, amenez-moi vos fardeaux. Oléa na mikumba na yepa basango, aïe na yesu basango. Merci, deuxième sujet. Pour comprendre, quand il reconnaît l'intelligence des églises, de l'église catholique, il reconnaît la personnalité de Monseigneur Fulgence. Il reconnaît la rigueur, la discipline de l'Église catholique. Que j'ai besoin de collaborer, de travailler avec vous. Mais il y a pour nous, bah, charlatan, on a un au président Monseigneur Fulgence à l'objet. Il est entouré par les charlatans. Bah, pasteur, on a un bateau à Bétra, Fati, béton à béton. Moukwa Tombolo, à la Tirolex à 300 000 $. Et qu'on soit. Mais Banda Kala, on a un peu de Monseigneur Fulgence, à Zamoutou à Maël. Pourquoi ce n'est pas un peu de conseil? Alors, Azan a besoin de l'église catholique dans la minute où ils ont déjà détourné le lot de 10 $ de combien à 27 000 francs congolais. Non, le lot de 27 000 francs. Bah étudiant, s'il vous plaît, 10 $. Ne connaissez pas la somme là, monsieur Zoba en prison. Non. Kende, Tommy, la question de la droit de liberté. Non, on va faire une mise au point. Attendez. D'accord. Attendez. Awa Moutazo Bangamoutou Azati. Mais on doit rester dans le fait. Dites-nous les investissements. Non, s'il vous plaît. Au moment là, t'as tableau mon côté dans la ville de Kinshasa, bah, pour 1 000 $ 27 000. Okay. On doit rester dans le fait. Moi, j'ai vu. 1 000 $, dernier tableau, au moins, la monnaie avant la côte, la semaine là, voilà. Quoi, la monnaie, ils ont 24 000 francs. On doit se le dire. Donc, le code est en boca. Et 27 000. Mais là, on y va. 3 dollars, ça dépend d'une commune à une autre. Oh. Parce que si on a un GB, on coûte à quoi on a 2000 francs. Si on a une machine, on coûte à quoi on a 800, on a un boom, on a 1500. Donc ça dépend. On peut prendre la 10e rue, on coûte à prix, et là on est toujours évolué. Donc on a un bon cas, il y a un bon. Ma papa, ma couffe, ma tika, ma fèle. Donc on a un bon cas, élection. Ma papa Lumumba, ma papa Sibaro, on y va. Tiens, tu sais qu'il dit. On y va. Donc toi, on a un kizenga, on a un couffe, on a un bon cas, on a un. Vous comprendre. Moi, je conseille à la maison. Vous avez un peu de papa. Donc, il y a un peu de papa. Donc, il y a un peu de papa. Donc, il y a un peu de papa. 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 Il y a un peu de économie et puis environnement, nous sommes le haut environnement, nous sommes respectés. Très bien. Dans corps, élection. Nous ne sommes pas considérés. Mais en Lobaki, les Congolais, je suis candidat député provincial. Je suis déposé candidature à un niveau de parti. Oh. Oui. Je suis le seul candidat aussi. On a boi makambono, nazwa, ndekunangai, ou be cousin nangai, grand frère nangai, maître Vanatem, Mimenga, Zala,
premier suppléant. J'ai amené ma candidature dans le parti à proposer ma suppléant pour favoriser la démocratie. Vous comprenez? Mais là, quand on a ma BG, j'ai vu quelqu'un là, l'amour qui n'a pas de poudre, il y a un musicien. Il y a un machine pour qu'on ait ça là, pour qu'on ait la base électorale. Mais je me pose la question. Tous les gens qui ont été en machine, en pétro-congo, dans sans fil, dans machine, dans ma pelle, dans la koufa. Mais tant que besoin, il y a ma gêne musique. Pour embrouiller dans l'ordre public. Vous comprenez? Donc, nous avons besoin d'un gêne, la conscience collective, que nous, 2023, tous aucune élection. Oh, ok, non, mais ce Tshisekedi, vu que la Kisibiso, incompétence à préparer ma bonne élection, ce qui est l'élection est salé en 2023, Félix ne sera pas président de la République. Alors, tout le monde, là, le pouvoir appartiendra à tout le monde. Alors, même yo, même mon frère ici, même Pousse-Pousse, mon homme, le plus courageux peut devenir président de la République parce qu'il est hors mandat. Décobrino, le président reste en fonction jusqu'à l'installation. Ah, s'il vous plaît, il faut que vous respectez Mibeko. Non, attendez. Pour ça, jeune, la limite, respecter Mibeko. Alors, Décobrino, Awa, FCC a boi nan pour participer dans l'enrôlement. Non, cela veut dire qu'il a participé à l'élection. Également, la mouka côté a failli ou balobi qui va déposer parce qu'il faut audit externe et salama na organisme moro ya malonga, organisme moro ya crédible. Alors, Ndekobrino, crédibilité nino to couper sa élection oyo ba partie prenante, le ko a mutu, le ko a Martin Fayulu, le ko a mutu na quand ya Kabila ba boiko ken élection. Crédibilité nino to couper sa élection. Vous devez savoir que le président Martin Fayulu a été élu en 2018. Position président élu à Zui, et sa position moi je m'éclaire. Dans la droite on s'opposer parce que j'ai parlé plusieurs fois, j'ai défendu le président Martin Fayulu. Et je l'ai défendu d'ailleurs. Donc, pour suivre lui, bisous, dans côté de la bisous, tout ça pour s'incliner. Mais moi, j'ai dit. Donc, il y a aussi incliné mes nouvelles élantées. Mais nous, dans le lobby, Bruno. Il y a à titre personnel. Dans le lobby, Bruno Mimbenga, une nouvelle élan s'incline par rapport à la décision là-bas. Donc, bien, vous déposez. Dans le lobby, vous voyez. Dans le lobby, Makambu. Oh, là, le lobby. Attendez, pour ne pas tout créer confusion. Décision président Fayulu à lui, bisous, dans côté de la bisous. Tu trouves que ça, il y a famille, il a décidé, décidé autrement. Mais puis son nouvelle là, tu as dit que tu sais qu'il dit, hein, il a vendu une partie à Mbokanabi sur Bounagana, dans ma six côté à Batou et AC. Oh, il n'a pas vendu ici. Mais mon cher, mon conseil est ça, mon conseil. S'il vous plaît. Mais mon conseil, c'est ça, mon conseil. Non, oui. Alors, j'ai la République démocratique du Congo, Bimate. Est-ce que vous allez dire qu'aujourd'hui nous sommes indépendants? On a au Bounagana aussi une année. Dans Batou, il y a Batouchi. Donc aujourd'hui, nous savons que M. Félix Tshisekedi a échoué lamentablement. Dans cette terre, il y a sécurité, économie, diplomatie, tout. Il y a un monde, il y a un projet de société. Avec Denis Kadima, nous allons battre Tshisekedi. Il y a un monde, tant qu'on évoquait l'article. Donc, avec ou sans Denis Kadima, avec ou sans Denis Kadima, on ira aux élections. Très bien. On va revenir à l'article 70. Merci. Il y a un moment où la Constitution est prévoyant article 64 pour que Bandi Missou va avoir le pouvoir. Et qu'il y a le cas dans Zamasiko, dans Nenga Kanaï, pour rebondir sur l'article 5 et puis tu as la connexion à l'article 64. Oh, lobby, que le peuple est souverain, ou en article 5. La souveraineté revient au peuple. Et puis l'article 64 lobby très bien qu'il y a un smoutoir. Il y a un obéir à la volonté du peuple. Il faut que nous battions la révolution. Que nous tournions à l'air Bolozo, le Bagatan, et puis d'ailleurs, visuel parti dans Bamo. Donc nous sommes dans la logique que. Bolozo, il faut que nous battions la révolution. Mais sur les vrais qu'on s'appelle pacifique. Très bien. Sur les vrais qu'on s'appelle d'une manière brutale. Donc nous ici, nous voulons des élections. Mais au cas où. M. Félix et Denis Kadima. Bah, couper ces élections en 2023, en décembre. Donc. Son pouvoir et Goko va pouvoir illégitime et le plus courageux, même Bruno Mbenga. Il reste en fonction, ça c'est la loi. Ils ont revenu dans la loi. Ils ont revenu dans l'article 64 de la loi. Ils ont revenu dans l'article 64 de la loi. Le président de la loi reste en fonction. Il y a un moment où il y a un article 64 de la loi. Article 1 article 64 dans la Bible, mais dans la quoi c'est mon beaucoup de gens qui ont beaucoup de soins. Attendez, au pénal pénal, mais dans la Bible, non, il y a un moment dans le Bible, article 1 et tiens ma pône pour garer ma bandit, mais sous la roue quand on a pouvoir en n'est merci, il y a n'est ma case. Très donc voilà un peu ça dans ça. Merci beaucoup. J'ai déposé ma candidature comme député provincial au Boto, au pénal, ma gêne tout. Il y a voilà, on déposant la partie, ma partie, mais partie, si vous m'avez bon à que non, il y a un auto aligné ou pas. Ah oui, mais ceux qui va au Qatar, on peut servir le pays de ma façon. Tout le monde a peut être servir le pays. On ne peut pas servir le pays en étant député ou bien commandant. Maintenant, on le combat. Piste 7 Kikuni
azalaka plus attaché na Fayulu. Fayulu a beau y déposer parce qu'il y a audit. Est-ce que cette Kikuni a déposé candidature na? Si je peux demander au réalisateur de mettre la vidéo où le président était à Mbandaka pour que je puisse annoncer. On avait déjà diffusé, on y va. Ouais, vous avez ici, pendant qu'il était en train de parler, s'il y avait la voix, vous allez écouter, il dit nous, nous allons aller aux élections parce que c'est l'unique moyen de sanctionner ces pouvoirs, mais ces élections doivent être crédibles, transparentes et apaisées. Et la population de Mbandaka, comme vous voyez, ils ont répondu oui. Cette population-là, Mbandaka, ils ont répondu oui. C'est ça les messages. Merci beaucoup, mon réalisateur. Vous savez, ici, j'aimerais d'abord dire que c'est nous l'opposition. C'est vous l'opposition. C'est nous l'opposition. Pas d'autres. C'est nous l'opposition. Et j'aimerais aussi affirmer ici que quand vous dites que nous sommes près de Martin Fayulu, ce n'est pas parce que nous avons développé une amitié un peu personnelle, mais c'est parce qu'on a été au combat depuis et on est resté constant. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, on est resté constant. Il n'y a que Seth Kikuni et Martin Fayulu. Donc, quand je répète que c'est nous l'opposition et c'est nous qui défendons ces peuples, pas les autres. Voilà pourquoi, avant même, nous avons tenu ces propos à l'Équateur. Nous avons dit que nous n'irons pas aux élections et les élections ne se feront pas dans ces pays si l'audit de ces fichiers électoraux ne sont pas faits. Donc vous voulez bloquer les élections, c'est les ça? Élections ne se feront pas parce que la volonté du peuple doit se respecter. Parce que nous allons amplifier les actions sur terrain. Et nous allons démontrer que nous défendons le peuple. On ne peut pas aller aux élections pour mettre la peinture sur les détournements de la volonté populaire du peuple pour proclamer une personne. Non. Donc je répète, je réitère mes propos en disant que c'est nous. Quand je dis nous, je vois Seth Kikuni, je vois Martin Fayulu. Oh, et les autres? Parce que l'opposition, ce n'est pas seulement Fayulu. Je ne parle pas de parvenu à l'opposition. Je parle de l'opposition. Le parvenu. Il y a Adolphe Mouzito qui est de l'opposition. Il y a aujourd'hui le FCC qui sont dans l'opposition. Il y a Moïse Katumbi, il y a Matata Mponio, il y a Denis Essang. Tous sont du côté de l'opposition. Écoutez, je ne vais pas citer nommément les gens ici parce que ce n'est pas mon rôle. Mais je voulais vous dire que depuis 2018, on est resté à l'opposition parce que la victoire a été usurpée de Martin Fayulu, du président élu. Et depuis lors, nous sommes restés. Seth Kikuni, jusqu'à aujourd'hui, toutes les personnes que tu viens de citer nous ont parvenu. Parce que peut-être ils ont été choqués, parce que peut-être ils n'ont pas trouvé garde. Non, mais Mouzito était dans les combats depuis la Mouka. Mais il a perdu un peu le repère en cours de route. Nous ne savons pas où il est situé maintenant dans les activités. Il est dans la Mouka. Quelle la Mouka? Il est dans la Mouka. Quelle la Mouka? Non, j'avais appris qu'il a... Non, laissez-moi finir. Terminé. J'avais appris qu'il a pris, il a pris une retraite politique parce que jusque-là, aucune action sur terrain, aucune manifestation, il reste là. Bon, je pense qu'il prend de collaborations avec des chefs coutumiers récemment. Je ne sais pas s'il devait aussi être intronisé. Merci beaucoup. Non, j'ai fini, je n'ai pas parlé des élections. Terminé. Alors, nous, avec Piste pour l'émergence, nous allons représenter les candidats dans tous les niveaux. Mais à une seule condition, que les fichiers électoraux soient audités. Messieurs Nathan, ils ont fait 2 jours. Kadima a fait 2 jours pour auditer ces fichiers avec ses experts. Mais nous ne demandons pas plus que ça. Qu'ils disponibilisent aussi que nous puissions auditer ces fichiers pendant 2 jours. Parce que ça ne va pas prendre trop de temps. Qu'est-ce que ça fera à Kadima d'ajouter que 2 jours? Ça ne va rien changer. Parce que nous, les élections, ce n'est pas seulement pour élire Nathanaël ou pour élire un député national. Non, mais même les gens qui sont en Gandaji Kalaba au fond, il est populaire. Comme mon frère vient de dire, il est populaire à Massina. Il est populaire à Massina. Mais il n'a jamais géré, mais il est populaire. La population, le peuple lui vote. Mais est-ce que la voix du peuple sera respectée? Parce qu'il y a quelqu'un qui a tellement de l'argent, il viendra corrompre et on lui nomme député, alors que c'est lui qui est élu. Nous, les combats, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour Seth Kikuni. Ce n'est pas pour Martin Fayulu. Mais c'est pour tous ces peuples. Raison pour laquelle vous allez voir même dans nos meetings, dans nos marches, nous portons les drapeaux de la RDC. Vous allez voir M. Fayulu avec le drapeau de la RDC. Kikuni avec le drapeau de la RDC. Mais pas les autres. Parce que le combat ici, c'est pour la nation. Ce n'est pas pour les individus. Je vous donne un exemple pour conclure. Tokye Bokila, Nazamba Tobito Kanga éléphant. Surtout quand un éléphant peut lier sa 200 personnes, communauté mobile. Mais pour quand un éléphant, la photo, ça a 10 personnes. Tu as mis 10 personnes à terrain, tu as mis, oh, à téléma, ah, oh, à téléma, ah, oh, à téléma, ah, pour ce qui est l'éléphant, l'équipe de Tokam.
Et les fois où la zoyate, nana moni la paix. Nana bana misat, na idée nana bitende la paix à l'équipe. À ce n'a kangi n'a parlé n'a pas colia. Moutou sou pas la vie. Ah, la paix en amende à l'équipe au son à kangi. Son ma son à tiki place n'a n'a kangi la paix. N'est-ce pas le botan n'a colia? Mais la communauté va périr parce que éléphant colle ka place dans la télémati. L'idée ici c'est pour la nation. Ici, je vous mets à témoin. Aucune personne, aucun opposant parvenu, aucun opposant transhumant nous a rejoint à l'opposition viendra mettre. Laissez-moi finir cette pensée. Laissez-moi finir cette pensée. Je le répète. Ici, aucun opposant transhumant, aucun opposant parvenu ne viendra bloquer le processus que nous avons commencé depuis 2018. Parce que le mot d'ordre, c'est le mot d'ordre. Celui qui oserait violer les principes, violer les consignes, il nous verra dans son chemin. Il nous verra, nous, dans son chemin. Parce qu'on ne va jamais autoriser que ce qui s'est passé en 2018 puisse se passer encore en 2020. Très bien, merci beaucoup. C'était presque un face-à-face, mais bien, ils sont tous du côté de l'opposition. C'est de l'Union Sacrée, ne sont pas venus. C'est pas à moi la faute, en tout cas. Ne me condamnez pas. Ils n'ont pas répondu à l'appel et ils sont définitivement sanctionnés de cette émission. Alors, c'est par ici que prend fin cet échange, ce débat sur ce plateau de CML13 Télévision. 2 minutes à chacun pour la conclusion. Bruno Mimega, j'ai senti que vous êtes impatient. Non, je suis très patient parce que quand on fait un débat avec un aguerri, c'est tout à fait normal. Très bien. De tirer à bout portant. Parce que moi, j'ai des notes. Donc, vous aviez été tiré à bout portant. Non, parce que son leader, c'est mon collègue de combat. Son leader, à lui, c'est mon collègue. Nous avons lutté ensemble. Celle qui connaît votre collègue. Oui, c'est mon collègue de combat. Et puis, quand il traite la personne de Mozito, c'est un transhumant. Et puis, il venait à peine de recevoir les chefs coutumiers, mais. C'est rigolant. Bon, non, mais le chef coutumier, c'est le combat. Je n'ai même pas voulu lui donner de l'importance parce que je sais que l'opposition est plurielle. L'opposition, les autres peuvent choisir la rue, les autres la tête, la réflexion, comme le vieux Alain Boulouzois, c'est un homme de l'article 64, quand il dit l'opposition, depuis que les autres sont des transhumants, ils sont où? On reconnaît un parti politique par rapport à son implantation. À son ancrage. À son ancrage politique. Très bien. Aujourd'hui, donc, est-ce entre que... Entre piste et nouvelle élan, il n'y a pas photo. Je ne sais pas, son leader, c'est mon collègue. Vous voyez. Très bien. Est-ce aujourd'hui, si vous, faites, si vous descendez au niveau de la cité, même ici, au niveau du GB, ces partis n'existaient pas. Oh. Et je ne crois même pas que les partis... Il est le seul représentant de ces partis. Excusez-moi. Je ne sais pas si les partis sont reconnus au ministère. Merci beaucoup. Donc, nous sommes dans l'opposition. L'opposition que nous menons, c'est la réflexion. Et puis, nous sommes dans la résistance. Merci. Donc, voilà. Parce que la création de la Mouka, je pense que mon collègue Seth Kikoun était encore... en Angola, si je ne me trompe pas. Oh, merci. Donc voilà, un merci beaucoup. Donc, bref, merci. Nous sommes dans la résistance et puis la liste sera illimitée jusqu'à ce que nous allons gagner cette victoire afin de restaurer l'état des droits que les Congolais en veulent. Donc merci. Voilà un peu en quelque sorte. Merci je beaucoup. Je n'ai pas voulu donner. En deux minutes, je n'ai pas voulu donner les portes à sa merci. Prêt, sinon, merci beaucoup. En deux minutes, il fera du châtage à la cité. Vous répondez rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Deux minutes, j'ai mis le chrono. En tout cas, monsieur le réalisateur, c'est pour la dernière fois que je vous demande. Là, non, s'il vous plaît. Tu veux donner juste s'il cette vous image. Plaît, s'il vous non, plaît. Je réponds. Oh non, s'il vous plaît. Je réponds à ce point. Répondez et je conclue. Bon, d'accord, je réponds. D'abord, il faudrait savoir que nous venons de Mbandaka, où nous avons installé notre coordination provinciale. Je ne sais pas si le nouvel élan est en Mbandaka. Vous avez vu la foule de personnes qui ont adhéré dans notre parti politique. Et puis, deuxièmement, vous savez, le droit à la liberté d'expression est garanti par la Constitution. Le droit de penser est garanti de la Constitution. Mais le mal avec la Constitution de notre pays n'a pas dit la qualité de ses pensées, la qualité de ses expressions. Avec chaque personne a droit de dire de n'importe quoi, donc moi je ne peux pas me rabaisser jusqu'à à raconter ses propos. Seth Kikuni qui présente aujourd'hui comme son collègue, même son président du parti lui respecte, parce que quand Seth Kikuni siège avec son président du parti, lui n'est pas là. Merci. Il y a encore une minute. Il y a encore une minute, je vous rappelle. Alors, d'accord, pour finir, je dirais que... Ici, on parle du coup. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il vous reste 30 secondes. Vous n'avez aucun projet de société. S'il vous plaît, il reste 30 secondes. Ici, je suis venu parler
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi du parti et puis, s'il vous plaît. Tu as face d'un futur honorable. S'il vous plaît. Tu as du respect. Il vous reste 30 secondes. On y va. Il faut me respecter. On y va. Ok, j'aimerais simplement dire, nous avons un projet de société tellement solide, axé sur quatre axes. Piste politique, piste économique, piste politique extérieure. Et pour finir, je réitère mes propos, je m'adresse à la population congolaise parce que je ne vais pas rencontrer ces bêtises qui n'ont pas le droit d'avoir mon intelligence. J'ai dit, aucun opposant, aucune personne qui nous est parvenue par la transhumance à l'opposition ne fera échec à nos projets. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je vous retire la parole. Vous n'avez pas la parole. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Madame, messieurs, merci de la confiance renouvelée. ASML 13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. C'était le tout premier numéro après le retour de votre chaîne. Le tout premier numéro de cette émission. On se retrouve comme ça le samedi pour le deuxième numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de la journée chez vous. Au revoir. On se salue.